Pocatov. Petite furie, toujours aussi plaisante. Je viens de finir ma première batterie avec le Techno MT410. On va checker les températures un peu. D'après moi, ça va être quand même très chaud. Une batterie là, qui atteste 5000 mAh, là, vidée complètement. J'ai hâte de voir. Oh, Fahrenheit. Oh, avec le fan, c'est pas tant pire. 134, 136. Vraiment pas si pire. Le C. J'ai pogné 130, je pense. C'est quand même pas tant pire. Batterie. La batterie est assez chaude quand même. Ouais. Mais c'est plaisant. Toujours aussi le fun. Tellement facile, cette machine-là. Là. Tellement fiable. T'amènes ça ici, tu t'amuses, tu pars avec. Il n'y a jamais rien qui brise, puis. Ça se contrôle mieux que toutes les machines que j'ai eu à date. Sauf peut-être lui. RC8 MT3 fraîchement faite. Ça va être le prochain. On va essayer ça. Tendance à le gazer plus parce qu'il lève moins. Il lève moins du nez quand je le gaze. Fait que j'ai tendance à donner trop de gaz à la ligne droite là. Puis là, j'arrive beaucoup trop vite au bout. Là. Parce qu'il est vraiment, là, honnêtement, il a tendance vraiment à moins lever en wheelie quand je gaze. Fait que j'aime ça. Mais ça fait en sorte que je vais aller trop vite. Oh, il y a un chieur. Ah, encore le style drive shaft arrière, j'imagine. Ouais, exactement. Le bearing est sorti. Coucou. On va aller voir ça. Le bearing était probablement fini en arrière, puis ça a chauffé énormément. Puis ça a fait fondre. Le bulkhead, j'ai l'impression, parce que le bearing a trop chauffé. C'est mon bet, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça semble être ça. Le bearing est ressorti. C'est bizarre. On va investiguer ça à la maison. On saute sur le techno. Thank you.
freestyle.